Kia veut aussi se lancer dans les voitures électriques à 20 000 euros. Ouais, bah ils vont tous y venir au bout d'un moment. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps pour certains, je pense. Par exemple, là, Hyundai Kia, bon, ça viendra pas avant 2025, voire 26, à mon avis. Plutôt 26 d'ailleurs. Kia EV1. Alors, bon, ils en sont au Kia EV9, hein, gros tank. Donc là, maintenant, on va repasser sur les gammes en dessous, à nouveau. Là, c'est la Kia EV6 en illustration. Par contre, moi, mais ça me choque hein, que le Kia soit pas centré dans le volant en fait. Il y a un mec qui s'est dit chez Kia, on va mettre le Kia à droite du volant. Pourquoi? Je le mets pas au centre. Moi, sur mon Niro, il est bien au centre, c'est parfait. Il y a un mec qui s'est dit, on va innover, on va aligner à droite le Kia. Mais ok, d'accord, mais c'est nul en fait. Ça fait tâche, je trouve. Alors pour certains, c'est un détail, mais moi, ça me choque. Kia élargit actuellement sa gamme de véhicules électriques avec le V3. Le modèle doit débuter autour des 35 000 euros. Le V2 pourrait avoir un tarif sous les 30 000 euros. En toute logique, le prix de l'EV1 devrait être sous les 20 000, sous les 25, on va dire, je pense. Sous les 20 000 en Europe, je suis pas sûr, hein. Ça m'étonne rien. Ces voitures électriques abordables pourraient d'ailleurs reprendre la base de la Hyundai Inster, qui arrivera en Europe dans les semaines à venir. C'est vrai qu'elle arrive plus tôt, hein, en fait, cette Hyundai Citadine, là, autour des 20-25 000 euros. En revanche, le président de la marque coréenne reste lucide. Il connaît la difficulté de proposer une voiture électrique dans une fourchette de 15 à 20 000 euros. Un projet très difficile et très ambitieux. Au point qu'il a fait comprendre aux journalistes d'Autocar qu'il ne fallait pas l'attendre dans les 2 prochaines années. Bon, c'est un peu dommage parce que Hyundai tente le coup quand même. Au final, bon, Kia est sur une autre stratégie, visiblement. Il préfère les voitures un peu plus grosses. Mais bon, de toute façon, dans les années à venir, on aura la Twingo électrique nouvelle génération. On aura l'ID2 aussi, voire ID1 dans 3-4 ans, à mon avis. On aura donc la Hyundai là qui est déjà là. Et la Kia EV1 et 2 seront déjà là aussi. On aura sûrement un autre modèle de Renault électrique Citadine, Renault R5 ou R4. Voire peut-être d'autres, du coup. Les R5 sont déjà. Et R4 sont déjà en train d'arriver, de toute façon. Donc voilà. Bon, ça va se mettre en place, tout ça. Il faudra attendre patiemment. Et voilà. On en reparlera quand ça sera le cas. Ciao!